on est à Montpellier, sur la place de la Comédie. Jérôme, qu'est-ce que tu fais? C'est ma vidéo là. Non, mais... Non, c'est ma vidéo. Il m'attaque tout le monde. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Ben, ce soir, Jérôme a voulu prendre ma place, mais non, que nenni, hein. Voilà, je vais vous présenter les estivales à Montpellier. Qu'est-ce que c'est que les estivales? Eh bien, on se demande, hein. Bien sûr, on ne sait pas, hein. Donc, c'est simplement des commerçants qui se réunissent tous les vendredis cet été, donc tous les vendredis soirs. Vous allez avoir des gens qui vont faire de l'artisanat, c'est-à-dire des créations de bijoux, de sacs, de plein de choses. Et vous allez avoir après tout ce qui est gastronomie et bien sûr dégustation de vin. Je vais vous montrer tout ça, allez, on y va. Voilà, là c'est ma marque chouchou, c'est mon coup de cœur. Tout simplement c'est mon coup de cœur parce que, ben, tout simplement parce que c'est ma ville. Voilà, là vous voyez, il y a le mien et là il y a celui de mon doudou. Chéri Doudou qui est là. Donc vous avez des artisans qui vendent donc des sacs. Donc comme je vous ai dit, hop, merci les gens. Vous avez des artisans qui créent et qui vendent les produits. Un petit peu partout, il y a du monde. Hein. Nous sommes à Montpellier. Hein. Là maintenant, je vais vous amener sur le stand d'une amie qui crée elle-même des bijoux. En fait, elle tricote ou elle brode des bijoux. Bon, on va lui demander, peut-être, on va voir. Hein. Donc c'est des créations, tout est fait main, hein, c'est-à-dire qu'elle... Gaëlle, est-ce que tu tricotes ou comment on peut dire exactement? Maille, j'entremaille. Tu en? Entremaille. Elle entremaille, voilà, vous voyez, c'est des créations de dingue. Elle est en train de décoller, elle a une petite boutique à Montpellier à côté de Mademoiselle Chocolat. Hein. Je kiffe énormément, d'ailleurs si vous allez dans sa boutique, pensez à dire que vous avez vu ça grâce à moi, hein, bien sûr. Voilà, on fait un petit coucou à Gaëlle. Salut Gaëlle. Je vous le fais avec l'accent du sud. Vous avez aussi, on ne voit plus rien, merci les gens. Vous avez du savon. Du savon de Provence, voilà. Senteur olive, senteur, voilà. Ce qui est bien aux estivales, c'est ce qu'on appelle les dégustations de vin. C'est-à-dire que vous avez des stands, vous payez 5 euros et vous avez droit à 3 verres de dégustation. Je vous montre. Voilà, ce sont des chapiteaux comme ça où vous avez le vin. Donc là, ça y est, on rentre au niveau maintenant de gastronomie. C'est-à-dire que là, vous allez avoir par exemple des huîtres. Et le stand d'à côté, vous allez avoir de la fondue, des acras de morue de Martinique, des cupcakes des États-Unis. Voilà, c'est complètement un mélange. Ça vous permet de voyager, vous êtes sur une seule esplanade et vous avez 36 000 choses à faire et 36 000 choses à goûter. Alors voilà, vous avez droit à un verre comme ça avec écrit les estivales et vous avez droit aux dégustations qui vont avec. Alors moi, je voulais manger de la ligot, hein, mais regardez. Voilà, ça là, tout ça, c'est la queue pour la ligot. Donc à mon avis, on va se rabattre sur autre chose. Hein. Ça y est, après avoir fait le tour de tous les stands, ça y est, j'ai enfin flashé, je vais me prendre ça. Je vous montre, parce que moi j'adore ça. Voilà, je pars sur des samoussas. Les gens ce soir, festival de Montpellier. Je disais que mes samoussas étaient trop bons. Voilà, c'était les estivales à Montpellier, c'est gros Cafarnaum, vachement plaisir. Top. Au top, voilà, c'était une tuerie. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.